Bon, il vaut mieux que je le prenne. Voilà, eh bien, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être venus si nombreux, chers amis, chers publics. Et nous sommes heureux de recevoir M. Frédéric Rognon qui va nous parler donc du défi de la non-puissance et si Jacques Ellul avait raison. Alors, cette conférence est organisée par l'association Culture et société, grâce à Marianne, grâce à Nicole, grâce à Irène, grâce à Catherine et grâce à Gérard et bien d'autres, eh bien, nous proposons donc une animation carrément mensuelle sur Gradignan pour débattre de sujets à la fois écologiques et aussi philosophiques et historiques. Voilà. Alors, si vous voulez un peu mieux nous connaître, je vous invite à consulter notre site web culture au pluriel -et-société au singulier .fr. Et puis, si vous voulez être informé de nos prochaines activités, vous pouvez toujours nous laisser vos coordonnées sur le stand de la librairie. Il y a une feuille et vous nous laissez votre mail. C'est pas la peine la date de naissance ni je sais pas la dernière course que vous avez gagnée, juste le mail ça va. Voilà. Alors donc c'est un stand là qui est prêté par la librairie Mola et on les remercie infiniment d'avoir mis à notre disposition quelques ouvrages. Alors malheureusement il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Alors, si il y a un titre qui vous intéresse, vous pouvez donc laisser sur le papier le titre qui vous intéresse. Et puis, dans ce cas, on avertira Mola et qui vous contactera. Voilà. Alors, vous trouverez en tout cas quelques ouvrages de notre orateur, Frédéric Rognon, et de Jacques Ellul, évidemment. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais remercier Monsieur Michel Labardin, maire de la plus belle ville, c'est ça, de métropole? C'est ça, hein? Bon, ben voilà. Présent parmi nous, alors qui soutient notre association Culture et Société depuis sa création en 2019. Alors, nous vous sommes très reconnaissants, cher Monsieur Labardin, pour notamment la mise à disposition gracieusement de cette belle salle, vous êtes d'accord, de cette belle salle Saint-Géry. Et merci infiniment, soyez le bienvenu. Alors, et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier qui nous vient de Strasbourg, la capitale européenne. 1000 kilomètres aller, 1000 kilomètres retour, en train. Donc, merci Frédéric Rognon. En train. Le bus, soyez gentil quand même. Il nous fait la bonté de venir. On va pas pousser, hein. Bon. Alors, cher Frédéric Rognon, bonjour, soyez le bienvenu. Donc, je le répète, dans notre belle ville verdoyante de Gradignan, la plus belle de métropole. Bon, nous sommes heureux de vous accueillir pour la 20e conférence de notre association. Alors, vous êtes titulaire depuis 91 d'un doctorat en ethnologie de l'Université de Strasbourg. Et vous êtes professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. C'est une particularité qui est en Alsace. Voilà, la théologie, c'est une discipline universitaire qui est, comme en Hollande, comme dans d'autres pays du Nord, rattachée aux universités. Alors, Frédéric Rognon, vous êtes reconnu comme un des spécialistes avec Patrick Chastenet de Jacques Ellul. Et à 15 ans, déjà, vous participiez à des rassemblements antimilitaristes et antinucléaires. Vous avez découvert la non-violence au Larzac. On l'oublie souvent, chers amis, que la non-violence est au cœur du mouvement de désobéissance civile du Larzac, qui luttait, souvenez-vous, contre l'extension du camp militaire du Larzac. Vous rappelez? Tous les jeunes qui sont là, comme moi, vous rappelez. Et cela a réussi.
Alors la non-violence, clé de cette lutte, y a été amenée par Lanza del Vasto, philosophe, écrivain, poète, musicien et surtout disciple de Gandhi. En 78, vous avez donc la chance de le rencontrer et cette rencontre va vous marquer profondément. Des années passent, vous entreprenez en 79 des études d'anthropologie et de philosophie. Puis, en 86-89, vous êtes nommé professeur de philosophie en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vécu de près les événements tragiques de la grotte d'Ouvéa. Et en effet, votre appartement a été détruit. Une bombe qui, heureusement, n'a pas explosé, était posée dans votre cuisine. Vous auriez pu faire le choix de partir, mais vous décidez de rester. Je vous cite, « Dans la violence, il y a toujours la négation de l'autre. Pour tenir dans de telles situations ou dans des actions non violentes, il faut un ancrage spirituel très fort et quelle que soit la croyance. Il faut, dites-vous, museler sa violence. » Museler sa violence. Un an après ces tragiques événements, vous revenez donc en France en 89, et vous rejoignez avec votre épouse et votre fils les communautés de l'Arche fondées par Lanza del Vasto dans l'Aveyron. Ensuite, vous dites, moi qui suis un intellectuel, je ne connaissais pas le travail de la terre, mais j'ai appris le métier de maraîcher et je me suis passionné pour le travail des mains, la main. La main plume vaut la main à charrue. Belle citation d'Arthur Rimbaud qui résume votre expérience agricole. De cette expérience de 6 ans, vous attrapez le virus de la communauté avec la conviction que cet échelon est le plus pertinent pour avancer socialement et intérieurement, notamment pour les combats écologiques qui vous tiennent à cœur. Homme de lettres et de terre, vous faites des allers-retours entre les temples du savoir et ceux de la foi, mais aussi avec celui de la nature. La nature, temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Charles Baudelaire. Après votre doctorat en ethnologie, eh bien, vous vous orientez en 94 vers la théologie et vous devenez pasteur au Havre et aumônier des prisons. Homme de lettres, homme de foi, foi en Dieu et foi en l'homme. Puis, en 2001, vous retournez vers l'enseignement universitaire comme maître de conf en philosophie et anthropologie de la religion à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et en 2007, vous êtes nommé professeur de philosophie de la religion dans cette même faculté composante, comme je le disais, de l'université de Strasbourg, fondée en 1538 par Jean Sturm, une des grandes figures du protestantisme. Et puis, en juin 2003, grand événement, vous êtes notre 20e conférencier. Après Pierre Morlier, Antoine Crémer, Hervé Le Treut, Rémi Petit, Alexis Ducussot, Frédéric Donjon, Monsieur Farou, Frédéric Deconinck, Guillaume Faburel, Olivier Le Gall et Denis Thierry. Monsieur Farou qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bienvenue à nouveau. Alors comme vous le voyez, il ne manquait plus que vous. Alors nous vous remercions donc infiniment d'avoir accepté de venir nous parler du défi de la non-puissance de Jacques Ellul. Nous vous avouons que nous vous écouterons avec une certaine perplexité, mais rassurez-vous, avec grand intérêt. Perplexité, en effet, face aux événements tragiques d'Ukraine, à 2 heures de vol de Bordeaux. Perplexité face à l'hyperpuissance transatlantique qui entraîne le monde vers la croissance sans limite et la compétition sans fin où chacun est l'adversaire de chacun. Perplexité face au phénomène de brutalité qui est désormais partout dans les rapports entre les nations et les peuples
où chacun devient l'ennemi de chacun. Nous souhaitons, cher monsieur Frédéric Rognon, que vous nous convainquiez que les chemins de la non-violence, du pacifisme, de la modération sont les seuls garants de notre futur. Persuadé que vos arguments triompheront de notre scepticisme, grâce notamment à vos alliés de poids, Mohandas Gandhi, Albert Schweitzer, Martin Luther King, nous devons, disait-il, apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. Avouons qu'avec de tels alliés, vous avez déjà un sacré avantage sur notre scepticisme. Alors nous sommes impatients de vous écouter, cher monsieur Frédéric Rognon. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci Mustapha pour cette introduction très émouvante pour ma part et pour votre invitation, pour l'organisation avec votre équipe de tout ce cycle de conférences. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent, d'être là cet après-midi. Un samedi après-midi où il ne fait pas très frais, où on a peut-être envie de rester chez soi, peut-être devant un écran avec toutes les possibilités fantastiques de chaînes de télévision ou de sites internet tout aussi passionnants les uns que les autres. Et vous avez choisi de quitter votre domicile pour être là, pour être en présence. Je vous en remercie comme le dit l'Évangile, je crois que vous avez choisi la bonne part. Merci d'avoir fait ce choix-là. Quand on fait un choix, on sait bien que tous les autres choix possibles sont sacrifiés. Donc voilà, vous avez sacrifié tout ce que vous pouviez faire d'autre de cet après-midi. Et en vous disant merci à chacune et chacun, je ne fais pas que prononcer des paroles de politesse, mais je nous propulse déjà au cœur de notre sujet, puisque nous allons évoquer un homme, Jacques Ellul, qui nous invitait à faire des choix, et des choix qui ont du sens, et des choix qui portent. Alors je dis merci également à toutes les personnes qui nous suivront à travers l'enregistrement visuel, audiovisuel, et qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et je leur dis merci aussi, même si vous ne pouvez pas être en présence, parce que peut-être contre toute attente, on n'aura pas cet après-midi un discours technophobe, pas du tout, parce que la technique qui nous permet précisément, qui vous permet de suivre cette rencontre, eh bien, elle importe lorsqu'elle est un moyen. Ce qui est dommageable, ce qui est délétère, c'est lorsqu'elle devient une fin. Donc, la technique comme moyen est quelque chose qui ne peut être qu'apprécié et que Jacques Ellul appréciait. On va le voir dans un instant. Donc, merci vraiment à tous et à toutes. Alors, l'état de notre planète est celui qu'il est, celui que l'on sait. On voit bien les canicules à répétition, la sécheresse un peu partout, les feux immaîtrisables actuellement au Canada, dernièrement en Australie, et puis dans votre région, dans le sud-ouest, l'été dernier, et peut-être encore cet été qui vient. On voit bien ces glaciers qui fondent, ces banquises qui risquent de céder dans peu de temps, la montée des eaux qui va s'en suivre, et donc toutes les régions littorales de notre planète qui risquent d'être salinisées ou envahies, ce qui va provoquer des migrations inouïes. Les migrations que nous connaissons aujourd'hui, c'est de la broutille par rapport à ce qui se prépare. On sait bien qu'il y a un effondrement de la biodiversité, une pollution atmosphérique et même des continents plastiques qui dérivent dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Tout cela, on le sait. Alors, je ne suis pas là pour plomber l'ambiance, parce qu'en réalité, tout ça, nous le savons, et nous sommes informés, peut-être même surinformés, ce qui pose quelques problèmes quand il y a une surinformation. Tout ça, nous sommes
parfaitement au courant, ce qui fait que quand on donne une conférence sur l'écologie, il n'y a pas besoin de parler des problèmes, on le sait, on peut du coup se tourner vers peut-être les issues, peut-être les chemins qui permettront de traverser cela. Mais comme le dit le philosophe Jean-Pierre Dupuis, nous ne croyons pas ce que nous savons. Et ça, c'est déjà un problème. C'est que nous savons tout ça, mais nous n'y croyons pas. Ou plus exactement, nous faisons comme si nous n'y croyons pas. Nous ne mettons pas notre vie en cohérence avec ce que nous savons et ce qu'il faudrait faire pour conjurer une catastrophe majeure, une tragédie générale. Il y a donc une sorte de clivage entre le savoir, le croire et le faire. D'autant plus que l'on sait aussi que même si aujourd'hui nous prenions des mesures draconiennes sur toute la planète, ce qui est totalement invraisemblable, mais imaginons qu'aujourd'hui toute la planète, de façon unanime, décide de prendre des mesures radicales, on sait bien que même dans ce cas-là, du fait des phénomènes d'inertie liés à la Terre, eh bien, il y aurait des catastrophes qui continueraient pendant un certain nombre d'années, parce que ce que nous payons aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait il y a 30 ans. Et donc, si on prend des mesures aujourd'hui, c'est pour dans il y a 30 ans. Donc, on sait bien que de toute façon, il y aura des catastrophes. Elles se profilent, elles sont déjà là. Elles ne sont pas là seulement pour les générations futures, elles sont là déjà pour aujourd'hui. Alors, face à cette situation tragique, il y a trois types de réactions. Il y a un type de réaction qui consiste à être angoissé, hein, ce qu'on appelle maintenant l'éco-anxiété, le désespoir, on décide de ne plus faire d'enfants, on est totalement paralysé, sidéré par la situation et on ne voit pas d'issue. Une deuxième réaction qui consiste à être relativement optimiste en tablant sur la technique, sur les innovations technologiques, ce qui est le discours de la plupart des gouvernements dans le monde en disant « mais voilà, la technique va nous permettre de relever ces défis ». Et donc c'est une foi dans la technique en quelque sorte qui rend certaines personnes, et surtout des personnes dirigeantes, relativement optimistes. Et puis la troisième type de réaction, c'est l'engagement, l'activisme même au service de l'écologie, avec des mouvements violents, non violents, mélangeant les stratégies, mais qui veulent faire quelque chose, au risque de l'épuisement et de l'amertume, parce qu'on voit bien que malgré cet investissement, eh bien, les choses avancent très peu. Alors, face à ces trois types de réactions, donc le désespoir, l'angoisse, l'anxiété, l'optimisme technophile, voire technolâtre, pour parler des transhumanistes, ou le militantisme activiste, eh bien, il est un homme qui est mort il y a 29 ans, on va commémorer l'année prochaine les 30 ans de sa disparition, qui vivait tout près d'ici, il a vécu à Talence, puis surtout à Pessac, qui a traversé tout le XXe siècle, il est né en 1912, mort donc en 1994, donc il n'a pas connu le XXIe siècle, mais il avait anticipé ce qui nous arrive, et de façon absolument inouïe, il avait nommé les choses qui se sont produites après sa mort. Un journaliste du Canard enchaîné, Jean-Luc Porquet, a intitulé l'un de ses livres « Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu ». Ce livre est paru en 2003, donc 9 ans après sa mort, et c'était assez incroyable de voir que tout ce qui s'était passé, la vache folle, etc., les catastrophes environnementales de ces 10 années qui ont précédé la première édition du livre, ben, Ellul en avait parlé. Et puis, il a réédité son livre en 2012 et il a tenu compte de toutes les catastrophes qui se sont produites depuis 2003 et jusqu'à 2012. Et lui, il en a aussi parlé. Il faudrait encore lui proposer d'écrire un nouveau livre aujourd'hui pour montrer tout ce qui s'est passé depuis 2012. Alors, on pourrait dire, c'est qui cet Ellul? C'est qui ce Jacques Ellul? C'est Nostradamus? C'est quelqu'un qui a des visions et qui prévoit l'avenir? Pas du tout. C'est même pas un prophète. On a dit que c'était un prophète, mais lui-même a refusé ce titre. Parce que pour lui, prophète, c'est celui qui parle au nom du Seigneur et il ne prétendait pas cela. Mais il disait, mais simplement, j'observe la réalité, je regarde les courbes et je poursuis les courbes pour le cas où on ne ferait rien pour les infléchir. Et voilà ce que ça donne.
Et il est donc une sorte de prévisionniste qui avait une lucidité prémonitoire et qui nous parle de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc voilà le paradoxe d'un homme du 20e siècle qui a vu le 21e siècle. Mais il n'a pas fait seulement que prévoir et nous dire ce qui nous attend, il a proposé des issues, des chemins, des solutions. Et bien souvent, on voit Jacques Ellul comme une Cassandre, un prophète de malheur, quelqu'un qui annonce les catastrophes. Mais en réalité, une bonne partie de son œuvre est aussi une œuvre constructive, positive, et c'est ce qu'on va privilégier cet après-midi. Qu'est-ce qu'il nous propose? Et donc, face à ces trois types de réactions, eh bien, il a trois réponses. Face à l'angoisse, l'éco-anxiété, le désespoir, il nous propose l'espérance. Et on verra qu'est-ce que c'est que cette espérance, qui n'est ni l'espoir ni le désespoir. Face à cette confiance optimiste dans la technique, il nous propose la non-puissance. Et on verra qu'est-ce que c'est que cette non-puissance. Et face au militantisme activiste, il propose l'engagement dégagé. L'engagement dégagé. Pas l'engagement ni le désengagement, mais l'engagement dégagé. Et donc, il a une réponse à chacune des postures qui sont les nôtres et celles de nos contemporains aujourd'hui. C'est ça qui me fascine, c'est de voir que les trois attitudes que nous pouvons avoir, et parfois elles se combinent au sein de la même personne, hein, on peut se retrouver chacun, chacune là-dedans, bien Jacques Ellul propose quelque chose, et propose quelque chose qui nous déplace, qui nous décoiffe, qui nous emmène ailleurs. Et chaque fois qu'il propose l'une de ces trois issues, il la propose de manière dialectique, parce qu'il a une pensée dialectique. Pour le dire rapidement, mais j'y reviendrai bien sûr, lorsqu'il parle d'espérance, eh bien, il y a une dialectique à trois termes, l'espoir, le désespoir, l'espérance. C'est donc l'espérance qu'il propose pour sortir de cette pensée binaire, de cette tension mortifère entre espoir et désespoir. Lorsqu'il propose la non-puissance, eh bien, il y a aussi une dialectique entre puissance, impuissance et non-puissance. Et on verra que la non-puissance, ce n'est pas l'impuissance. Donc là aussi, on sort de la pensée binaire pour entrer dans une pensée beaucoup plus complexe, subtile, une pensée dialectique. Et lorsqu'il parle de l'engagement dégagé, eh bien, ce n'est ni l'engagement, ni le désengagement, mais ce qu'il appelle parfois le dégagement ou l'engagement dégagé. Donc, vous voyez, on entre dans une autre pensée qui nous amène à cheminer, qui nous amène à avancer. Il a une pensée critique et toute son œuvre il a une pensée dialectique et toute son œuvre est dialectique. Alors, je ne vais pas raconter la vie de Jacques Ellul, pour ça il faudrait toute une autre conférence ou une après-midi. Peut-être si des questions viennent pendant le débat, on peut venir sur l'homme Jacques Ellul, qui était-il, mais pour aller à l'essentiel pour cet après-midi, je vais simplement dire quelle était cette pensée dialectique, une pensée dialectique qui a une œuvre dialectique qui se construit selon deux versants, un versant sociologique et un versant théologique ou éthique. Un versant sociologique qui est une critique de la société technicienne, je vais la présenter cette critique, quel est son regard sur cette accélération des mutations de notre société moderne. Et là, il a un regard très critique, et si on ne lit que les livres de ce versant-là, il y a à peu près 67 livres, hein, donc il y a à peu près une bonne trentaine de livres du premier versant, si on ne lit que les livres de ce versant, on peut être un peu déprimé. Hein. Je vous conseille pas de les lire le soir avant de vous coucher, ou si vous avez un peu de blues. Mais par contre, il faut toujours se souvenir qu'il y a l'autre versant, le versant théologique et éthique, qui n'est pas d'ailleurs destiné seulement aux chrétiens, même si lui-même est chrétien, mais qui, à partir duquel, eh bien, il dessine un chemin d'espérance et qui est une sorte de réponse au premier versant. Et donc, sa pensée chemine entre une critique très vive de la société technicienne et puis une vision théologique et éthique pour vivre dans cette société. Et lui-même, Jacques Ellul, expliquait la logique de cette architecture de son œuvre en disant Si je n'avais pas été chrétien, je n'aurais pas pu écrire mon œuvre sociologique jusqu'à ses extrémités, jusqu'à ses conséquences ultimes.
je me serais suicidé ou j'aurais arrêté mes études avant parce que c'est tellement horrible ce que le monde que l'on prépare. C'est parce que je suis chrétien que j'ai pu avoir un regard de sociologue et de juriste et d'historien. Et inversement, eh bien, c'est parce que je suis juriste, historien, sociologue que ma théologie est tout sauf désincarnée et tout sauf hors sol. C'est une théologie pleinement incarnée dans les mutations, dans les réalités de nos contemporains. Voilà pour dire en deux mots quelle est la logique de son œuvre, une œuvre pléthorique, hein, 67 livres, 1160 articles, donc énormément d'écrits, mais qui se répartissent entre ces deux versants en dialectique. Alors je vous propose de voir successivement ces trois dialectiques, la dialectique de la non-puissance, je vais commencer par celle-là, la dialectique de l'engagement dégagé et ensuite la dialectique de l'espérance. Alors, d'abord la non-puissance. Ce terme, cette expression que Ellul a forgé, c'est un néologisme qui n'existait pas avant lui, hein, qui est forgé sur le terme de, non, de non-violence, qui lui a été construit par Gandhi en 1920, à partir d'un terme hindi, ahimsa. Donc il a construit le terme de non-violence, et on verra tout à l'heure la différence entre non-puissance et non-violence. Donc voilà un terme que Jacques Ellul a inventé, a imaginé, le terme de non-puissance. C'est donc, comme je le disais, une réponse à l'optimisme technophile, à l'idée que, avec les innovations techniques, nous allons traverser les défis qui sont devant nous, nous allons nous en sortir, il n'y a pas de raison de s'angoisser, c'est ce qu'est le discours officiel le plus répandu aujourd'hui, de la part des gouvernants notamment. Alors, pour présenter cette réponse de la non-violence, de la non-puissance, pardon, à l'optimisme technophile, il faut que je dise deux, trois choses sur la technique elle-même. Qu'est-ce que Ellul entend par technique? Parce qu'il y a trop de quiproquos à ce sujet. Hein. On a dit que Ellul était un technophobe qui voulait revenir aux cavernes ou à l'âge de la bougie. C'est totalement absurde. Donc, je vais essayer de montrer que sa pensée de la technique est beaucoup plus subtile. Il a écrit plusieurs centaines de pages, mais je vais dire en quelques minutes, essayer d'aller à l'essentiel. Ce qu'il faut bien comprendre dans la pensée d'Ellul sur la technique, c'est que Ellul fait une distinction entre la technique et les techniques. La technique, ce n'est pas les techniques. La technique englobe les techniques, mais c'est beaucoup plus large. Les techniques, ce sont tous ces outils, tous ces moyens que l'homme, de tout temps, l'homme a toujours eu des techniques, à élaborer pour s'émanciper quelque peu vis-à-vis du milieu naturel. Donc, il y a des techniques, il y a des outils. Mais la technique, c'est autre chose. Et il l'a défini de manière précise, c'est un universitaire. Quand il définit un terme, il a réfléchi longtemps à chacun des termes de la définition. Et il dit que la technique, c'est la méthode. C'est la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. C'est la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. Et là, chaque mot compte. Donc, c'est la recherche. La recherche, ça veut dire que ce n'est pas seulement des objets techniques. Il y a une partie non matérielle, immatérielle de la technique. C'est donc une recherche, un esprit, un état d'esprit, une mentalité et même, je dirais, un système de valeurs. C'est la recherche en toute chose. Donc la technique, ce n'est pas seulement du point de vue de la production, c'est en toute chose. Donc c'est aussi du point de vue des loisirs, c'est aussi du point de vue des relations entre nous. Il disait dès les années 40 que nos relations allaient être technicisées. Personne ne parlait des ordinateurs à l'époque. Hein. Le premier ordinateur, c'est la Seconde Guerre mondiale, un ordinateur qui avait à peu près la taille de cette pièce. Personne n'imaginait qu'un jour, nos relations seraient technicisées. Il le disait en toute chose. Donc les relations, les loisirs et même la vie spirituelle, tout allait être, et les arts, bien entendu, hein, personne ne parlait de la techno à l'époque, mais il avait vu que les arts allaient se techniciser. Donc tout, en toute chose, tout allait être technicisé, notre existence allait être technicisée. La recherche en toute chose de la méthode, donc c'est une méthode, la technique, et pas seulement des objets, des outils, de la méthode absolument la plus efficace. Alors, l'efficacité, c'est une valeur commune et
nécessaire pour vivre. Hein. Il y a pas sans un peu d'efficacité, on ne serait pas réunis cet après-midi ici. Sans efficacité, il n'y aurait pas de vie, de vie relationnelle, même de vie tout simplement. L'efficacité n'est pas une valeur rédhibitoire. Mais ce qui compte, c'est dans la définition, c'est absolument, c'est l'adverbe. C'est-à-dire que la technique, c'est l'absolutisation de l'efficacité. C'est-à-dire que l'efficacité devient la valeur suprême sur l'autel de laquelle on va sacrifier toutes les autres valeurs possibles. L'imagination, la créativité, les affects, la poésie, le relationnel, le spirituel, tout ça va être soumis au monothéisme de l'efficacité. L'efficacité dans tous les domaines et partout et pour tout. C'est ça la technique, ce qu'il entend par la technique. Donc on ne parle pas des techniques, pas seulement des techniques, mais de la technique. Alors ensuite, il donne un certain nombre de caractéristiques de cette technique-là, de la technique. Alors, il dit que, c'est le titre de l'un de ses premiers livres, la technique est l'enjeu du siècle. C'est-à-dire, c'est là-dessus que va se jouer notre avenir. Il écrit ça en 49, son livre paraît en 54, mais il a mis 5 ans à trouver un éditeur, ce qui veut dire que personne ne croyait à ce qu'il disait à l'époque, pour qu'il puisse être édité. À la fin des années 40, il disait, c'est la technique qui va être l'enjeu de notre siècle, et évidemment du siècle suivant, le nôtre, le 21e. Alors qu'à l'époque, on disait, mais non, c'est la lutte entre l'Est et l'Ouest, ce sont les régimes économiques, ce sont les régimes politiques, c'est ça qui est l'enjeu. Et lui disait, ben regardez l'Est et l'Ouest, en Union soviétique comme aux États-Unis, il y a la même course au productivisme, la même course à la technique, la même course aux étoiles, la même conquête spatiale. Donc, c'est pas les régimes politiques, les régimes économiques qui font notre vie. Notre vie va être de plus en plus conditionnée par ce rouleau compresseur de la technique et cette accélération de la technique. Donc, c'est l'enjeu du siècle. Ensuite, il nous dit que la technique est un milieu. C'est très important cette notion de milieu parce que ce n'est pas seulement des objets qu'on a autour de nous. C'est un milieu qui devient notre milieu, comme l'aquarium, comme l'eau de l'aquarium est le milieu des poissons. Et d'ailleurs, les poissons ne voient pas l'eau, enfin, on imagine. Donc nous ne voyons même plus la technique parce que nous sommes immergés dans ce milieu. Et maintenant vient une caractéristique qui est absolument fondamentale. Il faut bien la comprendre pour saisir la subtilité de la pensée de Jacques Ellul sur la technique. Il dit, dès les années 40, il dit « la technique n'est ni bonne ni mauvaise » en soi, ni neutre. Donc, elle n'est ni bonne en soi, ça c'est les technolâtres qui disent que la technique est bonne en soi, ni mauvaise, ce sont les technophobes qui disent que la technique est mauvaise en soi, et qu'il faut revenir en arrière. Mais elle n'est pas neutre non plus. Or, ça c'est la thèse qui à l'époque était déjà très répandue et aujourd'hui est quasiment unanime, la neutralité de la technique. C'est-à-dire que la neutralité de la technique, ça veut dire que la technique n'est ni bonne ni mauvaise, mais en fonction de ma conscience morale, de la conscience de nos dirigeants, eh bien, on va utiliser la technique de façon positive et on va éviter de l'utiliser de façon négative. Ça, c'est la neutralité de la technique. C'est-à-dire, elle est soumise à notre conscience et à notre volonté politique. Eh bien, Jacques Ellul, et en ça, il est encore très actuel, puisque c'est la thèse majoritaire qu'il conteste, Jacques Ellul refuse cette thèse de la neutralité de la technique. La technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, elle est ambivalente. Il consacre des centaines de pages à cette notion d'ambivalence de la technique avec des quantités d'exemples, pas le temps d'en prendre trop, enfin, je vais en prendre deux ou trois mais je vais pas y rester trop longtemps. Ça signifie, et ça va être très important pour la non-puissance, pour comprendre la non-puissance, ça signifie, si la technique est ambivalente, ça signifie que toute innovation technique, et je dis bien toute innovation technique, a à la fois et en même temps et de façon indissociable des effets positifs et des effets négatifs ou des effets favorables au bien-être, au confort, à l'efficacité, à la rapidité et en même temps et de manière absolument indissociable des catastrophes, des effets délétères, des addictions, des impasses. Et on peut pas avoir la technique en choisissant au nom de notre conscience morale d'avoir que les effets positifs. Alors, je vais prendre quelques exemples pour que ce soit bien clair. L'exemple que Jacques Ellul prenait à son époque, qui déjà était un exemple très sensible et qui l'est encore plus aujourd'hui, c'est l'exemple de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, ça me semble être un exemple emblématique parce que vous avez évidemment des effets
positif, c'est-à-dire une énergie qui ne produit pas de CO2, qui n'est pas trop chère, qui permet une certaine indépendance nationale. Bon, là, il faudra encore voir de près, mais bon. Mais vous voyez que vous ne pouvez pas avoir cela, donc l'éclairage, les TGV et tout ça, sans avoir les effets délétères que l'on a plutôt tendance à cacher, surtout à l'époque, qui est la production de déchets, dont on ne sait que faire et qu'on enfouit en se disant « les générations futures trouveront bien une solution », sans avoir les risques d'accident. Il écrivait ça avant Tchernobyl, avant Fukushima, et là, il avait l'homme qui avait presque tout prévu, hein, et celles qui viendront demain peut-être, et quand nucléaire, c'est génial quand c'est en période de paix, mais quand c'est en Ukraine actuellement, vous voyez bien les problèmes. Donc, le risque d'accident, le risque d'attentat, hein, il disait que c'est le talon d'Achille de nos démocraties, il imaginait des avions de terroristes qui se cracheraient sur les centrales nucléaires, et donc, on peut pas avoir le nucléaire avec tous ses bienfaits, sans avoir le nucléaire avec toutes les catastrophes que ça engendre. Et dans la balance, bah, vous pouvez choisir, hein, mais vous devez choisir en lucidité, en regardant le pour et le contre, et en sachant quels sont les risques. Je vais prendre des exemples plus peut-être que Ellul n'a pas connu tel quel, puisque c'est après sa mort, mais qui pour lesquels sa grille de lecture fonctionne très bien. Internet, vous voyez bien, Internet, c'est fantastique ce que cela nous apporte en termes de mémoire. Le moindre être humain ne pourrait jamais avoir cette mémoire-là, évidemment. En termes de rapidité, en termes d'ouverture au monde, vous pouvez savoir tout ce qui se passe partout ou presque. Et vous avez, avec Internet, une positivement, hein, cette ouverture, cette puissance de connaissance, etc. Mais vous pouvez pas avoir cela sans avoir les addictions. Et vous savez que les addictions à Internet, c'est quelque chose d'absolument, absolument tragique pour un certain nombre de personnes. Alors on va dire, c'est peut-être pas les mêmes qui bénéficient d'Internet et qui sont addicts. Encore, faudrait voir, hein, si on n'est pas tous un peu addicts. Et il faudrait voir aussi, de façon globale, une société a choisi, la planète a choisi Internet avec des conséquences pour certains, même si c'est seulement pour certains. Prends le téléphone portable, le smartphone. On dit le smartphone a sauvé des vies, c'est vrai, je suis même moi-même témoin de ce que le smartphone a permis d'avertir les secours assez vite suite à un accident, mais le smartphone a aussi tué, hein, tous les piétons, tous les chauffeurs qui ont téléphoné, qui ont utilisé leur smartphone au volant. Donc, on voit bien que le smartphone, il est très ambivalent. Et pour Internet et le smartphone, il y a aussi tout ce dont on ne parle jamais, c'est-à-dire ce qu'on fait une fois qu'ils sont obsolètes. Eh bien, on les envoie en Inde, on les envoie au Mozambique, et ça fait des montagnes d'écrans qui polluent. Et puis, en amont, eh bien, pour fabriquer tous ces objets, il faut du coltan, il faut des métaux rares qu'on ne trouve que dans le Kivu, où il y a des guérillas avec des enfants soldats qui nous permettent d'avoir des smartphones et des ordinateurs. Comme disait Voltaire au sujet de l'esclavage au 18e siècle, pardon, dans Candide, c'est à ce prix que vous avez du sucre en Europe. Hein, c'est au prix des enfants soldats au Kivu, de la pollution du Mozambique, etc. Je pense que vous connaissez tout ça. Alors, je vais prendre un dernier exemple de l'ambivalence de la technique, qui va peut-être vous faire sourire ou grincer dedans, c'est selon, c'est la question des progrès médicaux. Les progrès médicaux, c'est faramineux. Depuis 50 ans, tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on peut faire depuis 50 ans. Et sans doute, parmi nous, y a-t-il des personnes qui sont en bonne santé, même en vie, grâce aux progrès médicaux. Et Jacques Ellul disait, dans les années 80, à l'époque où on faisait les premières greffes, et les premières greffes d'organes qui fonctionnaient, déjà fin des années 70, les années 80, il disait, mais pour que les greffes d'organes fonctionnent, pour que ça marche, il faut prélever des organes sur des corps jeunes et en bonne santé. On ne va pas prélever des organes sur des corps de vieillards malades. Donc, on prélevait des organes sur des jeunes qui sortaient de boîte de nuit et qui se tuaient sur la route. Et vous vous souvenez peut-être, parce que nous sommes quasiment tous de cette génération-là, dans les années 80, la mortalité
routière, les accidents de la route étaient la première cause de mortalité des jeunes. Et c'est grâce à ça qu'on a les grèves d'organes. Donc il y a peut-être parmi nous des gens qui vivent grâce à ça. C'est ça que il nous dit, l'ambivalence. Et il disait d'une façon très ironique ou sarcastique, il faudrait plus d'accidents de la route pour qu'on puisse faire plus de grèves d'organes. Et on sait bien que depuis que la sécurité routière a fait de grands progrès, on est en manque d'organes. Alors voilà quelques exemples, vous pouvez en trouver d'autres, de l'ambivalence de la technique. C'est ça qu'il faut rappeler, que Ellul n'est absolument pas un technophobe, c'est quelqu'un qui nous ouvre les yeux là où on ne veut pas les ouvrir. Donc la technique est ambivalente. La technique, ça c'est une autre caractéristique de la technique, et sans doute la plus inaudible à l'époque, mais encore aujourd'hui, la technique est autonome. Autonome, c'est-à-dire que la technique a pris son autonomie à l'égard de la maîtrise de l'homme, et elle suit sa route. Chaque innovation entraîne l'innovation suivante, qui entraîne l'innovation suivante, et c'est une sorte de déterminisme derrière lequel l'homme ne fait que courir. Il fait comme s'il maîtrisait, mais en fait, il est plutôt devenu le dévot de la technique. Et cela m'amène aux dernières caractéristiques de la technique, c'est que la technique est un sacré. C'est-à-dire que c'est la religion de notre époque. La technique est un sacré, c'est le nouveau sacré de l'homme. Alors on va dire, mais on se prosterne pas devant une voiture ou devant un ordinateur, quoique, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que la technique est sacrée? Bien, Jacques Ellul disait, mais combien de temps vous passez avec des objets techniques? Combien de temps vous passez au travail, à travailler pour obtenir ces objets techniques? Combien de temps vous consacrez, parce que sacré, consacrer, sacrifier, c'est de la même racine, à la technique? Eh bien, c'est ça, la technique est notre nouveau sacré. Ça signifie que nous sacrifions le reste. Nous sacrifions nos relations humaines, nous sacrifions nos vies de famille, nous sacrifions même notre santé, nous sacrifions beaucoup de choses en mettant la technique sur un piédestal et en se prosternant symboliquement devant elle. Je vais vous donner un exemple, pas trop le temps, mais un exemple. En Lorraine, donc près de chez moi, il y a une source d'eau pure, on va dire, avec un monastère juste à côté, qui s'est construit là parce que cette source aurait, selon la tradition, guéri des personnes aveugles. Et donc, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Et il y a donc une communauté monastique à côté. Et puis, comme l'eau est libre, eh bien, il y a des quantités de gens qui viennent pour remplir leur bidon de cette eau pure et qui repartent avec leur provision d'eau pure. Et lorsqu'on a construit le TGV Paris-Strasbourg, on a terminé le dernier tronçon de Paris-Strasbourg, on est passé pas très loin de cette source. Et la dernière fois que je suis allé après la construction du TGV, ben j'ai vu que la source avait disparu, que la communauté avait disparu, qu'il y avait un parking maintenant à cet endroit. Ce qui me fait dire que là, on a une illustration de ce qu'est notre nouveau sacré. Et notre nouveau sacré, c'est la vitesse. Il faut aller à Paris, Strasbourg-Paris, en 1h40. C'est incroyable. Et donc, tout ce qui était l'ancien sacré, la source miraculeuse, la communauté monastique, tout ça, sans aucune résistance, tout ça est passé et a été abandonné. Et peut-être vous donner un dernier exemple pour montrer en quoi la technique est sacrée. J'ai des liens avec la Corée du Sud, je vais régulièrement en Corée du Sud. La Corée du Sud, vous savez que c'est le pays le plus technicisé au monde, hein, plus que les États-Unis. C'est notre avenir en quelque sorte. Donc je voulais voir quel est notre avenir. J'ai rencontré des jeunes qui ont l'âge de mes étudiants, étudiants en théologie à Séoul, et qui m'ont parlé de leur relation à leur smartphone. Alors je leur dis, est-ce que vous pourriez vous passer de votre smartphone pendant 24 heures? Ils m'ont regardé avec des gros yeux. J'aurais pas dit de tout écran, parce que je voulais pas les inciter au suicide, hein. Je voulais simplement parler de smartphone. Ils m'ont dit, mais comment 24 heures sans un smartphone? Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites avec votre smartphone? D'abord, on dort avec, bien sûr, on le met sous l'oreiller. Et la première chose, quand on se réveille le matin, on utilise notre smartphone pour entrer en communication avec nos copains, pour organiser notre journée.
Ensuite, on se lève, donc on utilise le smartphone avant de se lever, on se lève, après on va aux toilettes, excusez-moi du détail, mais ils me l'ont donné, on va pas aux toilettes pour faire nos besoins sans le smartphone, on le garde dans la main. Et puis tout au long de la journée, on le garde dans la main parce que quand on est un peu déprimé, on le caresse, et toute notre journée fonctionne grâce au smartphone. Et le soir, on rentre chez soi, on rappelle nos copains, donc là il y a le côté relationnel que permet le smartphone. On rappelle nos copains, et puis on le met sous l'oreiller et on s'endort. Et là, je me suis dit, mais là, Élieu l'avait vu, le sacré technicien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait, et peut-être il y en a qui le font encore, qu'est-ce qu'on faisait dans la tradition chrétienne, notamment, mais aussi dans la tradition religieuse? Première chose avant de se lever, la prière. Tout au long de la journée, on pouvait faire des prières, et puis si on était un peu déprimé, on récitait le chapelet. Et le soir, avant de se coucher, la prière. Donc, vous voyez, là, le smartphone a pris la place de ce qui était le sacré ou le spirituel de nos ancêtres et peut-être encore de quelques-uns d'entre nous. Et donc là, je vais maintenant rentrer dans la pensée propositionnelle de Jacques Ellul, dans ce qu'il propose face à cette analyse, mais il fallait passer par là. Bien, ce qu'il nous propose, c'est de nous émanciper, de nous libérer de cette aliénation technicienne. Il ne s'agit pas de revenir aux cavernes, il s'agit de profaner le sacré technicien. Il s'agit de le transgresser. Et il dit, il y a une loi dans notre société qui a été énoncée par un physicien hongrois, Denis Gabor, qu'on appelle la loi de Gabor, qui dit ceci, tout ce que nous pouvons techniquement réaliser sera nécessairement réalisé. Et bien, la non-puissance, dont on va parler maintenant, c'est la transgression de la loi de Gabor. C'est la profanation de cette loi sacrée. Donc, la non-puissance. La réponse à la technophilie, c'est la non-puissance. En quoi consiste cette non-puissance? Il s'agit donc d'une dialectique à trois termes. La puissance, l'impuissance et la non-puissance. La non-puissance n'étant pas l'impuissance. La puissance, c'est la possibilité de faire des choses, quantité de choses. Nous sommes à une époque de surpuissance, que nos ancêtres, même il y a peu de générations, n'imaginaient même pas qu'on pourrait faire. L'impuissance, c'est l'incapacité de faire des choses. Et paradoxalement, nous dit Jacques Ellul, nous sommes à une époque de surpuissance et d'impuissance, parce qu'on se sent complètement pieds et poings liés, on ne peut plus rien faire sans le smartphone, par exemple, aujourd'hui, pour prendre des billets de train, d'avion, de spectacle, etc. C'est très difficile, donc on est finalement impuissant au sens où on est à la fois surpuissant et impuissant parce qu'on ne peut pas, on peut très difficilement vivre et vivre bien sans ces contraintes techniques. Eh bien, la non-puissance, ce n'est ni la puissance ni l'impuissance. La non-puissance consiste à avoir la possibilité de faire et à choisir de ne pas faire. Donc, elle suppose la puissance. La non-puissance, à notre époque, consiste à ne pas faire tout ce qui est à notre portée et à donc utiliser notre conscience et notre foi, si on est chrétien ou si on est croyant, notre discernement pour voir ce qu'il est judicieux de faire et ce qu'il ne vaut pas la peine d'être fait. Alors, je vous disais que Jacques Ellul est chrétien, il confesse sa foi chrétienne et donc il enracine son œuvre dans cette foi chrétienne. Je vous disais aussi qu'on peut très bien lire ce qu'il écrit, y compris sur le christianisme, sans être chrétien, mais il faut le comprendre dans sa propre perspective. Donc, il y a quelques références à la Bible dans sa compréhension de la non-puissance. Pour lui, la non-puissance, elle s'enracine dans la tradition biblique. D'abord, dans l'Ancien Testament, l'institution du Shabbat, le fait de s'arrêter un jour par semaine, plutôt que de continuer la course à la production, la course à l'efficacité. Donc, la capacité à mettre des limites, à ne pas franchir certains seuils, c'est déjà, dans des textes très anciens, ça prend une actualité très forte aujourd'hui. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, qui racontent l'histoire de Jésus, eh bien, Jacques Ellul, qui est chrétien, voit dans l'exemple même de Jésus, l'exemple même de la non-puissance. Parce que,
considère qu'il a une théologie très, très orthodoxe à ce sujet. Il considère que Jésus est Dieu, donc il croit à la Trinité, et il considère que Dieu est tout-puissant, ce qui n'est pas le cas de tous les chrétiens, mais c'est son cas. Et donc, il voit en Jésus un Dieu tout-puissant, mais qui n'utilise pas sa toute-puissance, qui aurait pu faire des quantités de choses qu'il a choisi de ne pas faire. Donc, c'est ça la non-puissance. Et notamment, on lui demande d'accomplir des miracles, mais simplement pour montrer sa puissance. Et lorsqu'on lui demande de faire cela uniquement pour ça, il refuse. Il ne réalise des miracles, selon le texte évangélique, que lorsque ces miracles sont liés à l'amour et à la vie. C'est par amour et pour donner la vie qu'il accomplit des miracles, mais pas pour manifester sa puissance, pour montrer qu'il est tout puissant, etc. Et donc là, il montre aux croyants, en tout cas, un exemple de non-puissance. Et puis, il s'est laissé arrêté, il aurait pu échapper à son arrestation, il s'est laissé torturer, il aurait pu échapper à la souffrance, il s'est laissé crucifier, il aurait pu échapper à tout ça. Il a fait tout ça par soumission à son Père, pour l'amour des hommes, pour la vie. Il s'est laissé mettre à mort pour la vie des autres. Et donc, il a renoncé à faire œuvre de toute puissance. Alors, il y a beaucoup d'autres textes, mais on n'a pas le temps de les voir. Sachez que dans le corpus biblique, il y a pléthore de textes qui ont inspiré Jacques Ellul dans cette compréhension de la non-puissance. Et donc, il dit, en tout cas aux chrétiens, il dit, vous êtes disciples du Christ, bien le Christ vous montre un chemin pour le suivre, un chemin éthique de non-puissance, d'une éthique de la non-puissance qui prend d'autant plus de pertinence aujourd'hui où on est surpuissant. Aujourd'hui, on peut faire des miracles par la technique, on parle du miracle de la technique, c'est peut-être un abus de langage, mais en tout cas des choses que Jésus faisait par miracle, aujourd'hui on le fait par la technique. Donc on a une capacité incroyable de faire des quantités de choses, mais est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on est capable de faire? Est-ce que c'est seulement parce qu'on est capable de le faire qu'il faut le faire? Ou bien est-ce qu'il faut se poser d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas des retombées négatives? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences délétères? Est-ce qu'on doit forcément faire tout ce qu'on peut faire uniquement parce qu'on peut le faire? Donc ça, c'est la transgression de la loi de Gabor au nom de la non-puissance. Et Jacques Ellul a des formules très, très fortes. Hein, il dit « Seule la non-puissance aujourd'hui peut avoir une chance de sauver le monde. » Seule la non-puissance peut avoir une chance de sauver le monde parce que la planète est prise dans une course effrénée, dans une accélération permanente de cette course, et qu'il n'y a que la non-puissance, c'est-à-dire le renoncement à faire preuve de toute notre puissance, qui peut-être amortir le choc. Hein. On ne va pas dire que, de toute façon, comme vous le savez bien, on ne va pas empêcher les catastrophes qui se présentent, mais on va au moins amortir le choc. Eh bien, la non-puissance est la voie royale pour amortir le choc. Alors, il donne une métaphore très très suggestive, me semble-t-il. Il dit, voilà, si vous êtes dans une voiture et ce n'est pas vous qui conduisez, mais vous voyez que le chauffeur va un peu trop vite. Alors, vous pouvez essayer de le raisonner, mais vous voyez qu'il accélère. Eh bien, il y a deux solutions. Soit vous prenez le volant et surtout le frein. Et dans ce cas-là, vous allez freiner et vous arrêtez avant la catastrophe, soit vous le laissez aller et il va s'encastrer dans un mur et vous serez aussi arrêté, mais avec d'autres conséquences. De toute façon, on va pas pouvoir continuer la croissance exponentielle telle qu'elle est aujourd'hui lancée. Il va y avoir un moment où tout va s'arrêter, mais il vaut mieux peut-être s'arrêter par la non-puissance, par le raisonnement, par la sagesse, par des effets de conscience, et pour les croyants, par des choix spirituels, des conversions. Il vaut mieux le faire en amont plutôt que d'être obligé de le faire devant une tragédie générale. Il parlait d'un chaos généralisé sur la planète au XXIe siècle, on n'est pas loin. Il parlait d'une tragédie générale, il disait « nous sommes au devant d'une tragédie générale ». Mais il y a une solution, la non-puissance. Et donc, voilà une piste. Alors, il donne des exemples très concrets de ce que peut être la non-puissance pour nous, simples citoyens. Il dit, la non-puissance, ça commence par, vous êtes au volant de votre voiture et vous avez la possibilité sur l'autoroute d'aller à 130. La non-puissance, ça consiste à partir
Vous savez à quelle heure vous devez arriver, vous partez un quart d'heure ou une demi-heure plus tôt et vous roulez à 100 ou à 110. C'est déjà la non-puissance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum de vos possibilités. C'est des choses toutes bêtes. Vous roulez décontracté, c'est déjà de la non-puissance. Ensuite, dans la pédagogie avec nos enfants, on pousse les enfants à une société de concurrence où ils vont devoir être les meilleurs, marcher sur la tête des autres. Eh bien, là aussi, il y a place pour une pédagogie de la non-puissance. Et si on est instituteur ou maître des, professeur des écoles ou un professeur, on peut aussi avoir une pédagogie de la non-puissance qui consiste à valoriser la coopération, l'entraide, plutôt que la concurrence. Alors on va vous dire, oui, mais les enfants seront moins prêts à affronter la concurrence une fois adultes. C'est vrai, bon, c'est des choix. Après, c'est des choix de société. Mais valoriser plutôt ce qui est coopératif, ce qui est plutôt relationnel, ce qui est de l'ordre de l'entraide. Pour ce qui concerne l'économie, économie de surchauffe, eh bien, Jacques Ellul soutenait ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui n'a pas en vue un profit maximum, mais qui a en vue la solidarité, le partage et le bien-être le mieux réparti. Pour prendre l'exemple des loisirs, le sport par exemple. Le sport, qu'est-ce que c'est? C'est devenu quelque chose d'extrêmement surpuissant, hein, alors qu'on sait bien que Coubertin disait que l'essentiel n'est pas de gagner mais de participer, ben on a bien oublié ça même pour les Jeux Olympiques. Donc si le sport est devenu une affaire, est devenu un enjeu commercial et politique et parfois même militaire, hein, il y a des matchs de foot perdus qui ont déclenché des guerres, ben bref, le sport, les loisirs peuvent être des loisirs de non-puissance. On peut imaginer des choses qui soient non-puissantes. On n'est pas obligé d'aller au maximum de ses possibilités. Dans le domaine de la recherche, on entend aujourd'hui parler des jeunes chercheurs qui décident de jeter l'éponge ou de se convertir ou d'aller ailleurs que là où on prépare leur chemin dans une recherche effrénée qui ne réfléchit pas aux conséquences. Et donc là, il y a, Jacques Ellul disait, lorsque la recherche ne peut pas prévoir les conséquences, il vaut mieux qu'elle réfléchisse avant de lancer des programmes, hein, ce qu'on appelle le principe de précaution, hein, quand on n'est pas sûr des conséquences, quand on ne peut pas prévoir, eh bien, la recherche peut être une recherche plus sage, plus équilibrée. Et enfin, pour un dernier exemple, il en donne bien d'autres, le rapport à l'animal. Jacques Ellul était très sensible à ce qu'on a fait des animaux aujourd'hui, qui sont devenus des matériaux, qui sont devenus des stocks, des flux, hein, des flux que l'on consomme sans réflexion. Est-ce qu'on peut pas avoir un autre rapport au vivant, un autre rapport, question très très actuelle, hein, très sensible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas par la non, c'est on peut faire parce que les animaux sont plus faibles que nous, donc on peut faire ce qu'on veut avec les animaux. Mais si on réfléchit un peu, quel monde préparons-nous pour nos enfants, mais même déjà pour nous? Donc, la non-puissance est une question de conversion, pas forcément de conversion religieuse ou même spirituelle, mais de changement de regard, de changement de mentalité, de changement de comportement, et ça, c'est à la portée de tout un chacun. La non-puissance nous concerne tous. Alors, lui, il voyait en particulier la mission des chrétiens. Étant chrétien, il disait ceci, je le cite, « Si les chrétiens entrent dans cette voie éthique, alors il peut y avoir une mutation du système technicien. » Donc, les chrétiens, les chrétiens qui constituent quand même un tiers de la population mondiale, si les chrétiens se mettent à entrer dans la voie de leur sauveur, de leur Seigneur, hein, du Christ, alors il peut y avoir une mutation. Donc, il était finalement très... très confiant dans la possibilité des chrétiens notamment, il n'était pas du tout cette Cassandre que l'on dit. Avant de passer aux deux autres, j'irai beaucoup plus vite hein, pour les deux autres dialectiques, rassurez-vous, avant de passer aux deux autres dialectiques, je voudrais souligner, puisqu'on parlait des chrétiens à l'instant, que le synode de l'Église protestante unie de France en 2021, qui avait comme thème écologie, deux points, quelle conversion au pluriel, enfin avec un S entre parenthèses,
C'est beaucoup inspiré de Jacques Ellul, et cette notion de non-puissance a été beaucoup débattue dans tout le processus synodal. Un synode, c'est pas seulement les 3 jours à la fin, mais c'est 1 an et demi de travail où tous les membres de l'Église, les 350 000 membres de l'Église protestante unie de France, avaient la possibilité d'intervenir, de participer dans toutes les églises locales. Et finalement, le texte qui a été voté par le synode en 2021, alors, on n'a pas repris la notion de non-puissance, mais il l'a modifiée en parlant de puissance retenue. Puissance retenue, ce qui parle peut-être mieux, peut-être parce qu'il n'y a pas la négation non, et puis c'est peut-être plus audible. En tout cas, ça veut dire la même chose, hein, cette puissance retenue. Nous sommes puissants, mais nous ne faisons pas tout ce que nous sommes capables de faire parce que nous pouvons le faire. Exemple de puissance retenue. Quelles ont été les décisions de ce synode? Il y en a toute une série, dont certaines sont très audacieuses, mais il y en a une que je tiens à souligner, c'est que l'Église protestante unie de France a décidé de retirer tout son argent des banques qui sont pas claires sur les questions environnementales et les questions de justice, et donc de mettre l'argent uniquement dans des banques qui sont éco-responsables. Ça, c'est toutes les églises n'ont pas fait ça, toutes les institutions n'ont pas fait ça, donc je voudrais quand même souligner l'Église protestante unie de France, qui se trouve être l'Église dont je suis ministre, a fait cela. Et ça, c'est une sorte de non-puissance, parce qu'on a plus de sécurité à mettre notre argent dans des banques qui fonctionnent bien, qui sont internationalement reconnues. La mettre dans des petites banques qui sont éco-responsables, c'est un choix. C'est un choix éco-responsable. Et dernière chose sur ce synode, je voudrais quand même souligner que ce synode a commencé son texte final par un acte de repentance. L'Église protestante unie de France a fait repentance pour tous les silences et les compromissions de l'Église vis-à-vis de la destruction de notre planète, et en particulier de ne pas avoir écouté Jacques Ellul et quelques autres, hein, et Bernard Charbonneau et tous ceux qui, dans cette Église, avaient tiré la sonnette d'alarme, n'avaient pas été écoutés de leur vivant et de leur temps. Alors j'irai beaucoup plus vite, j'imagine que le temps passe. Comment ? 80. Encore 10 minutes ? Vous êtes d'accord ? Je vais aller beaucoup plus vite, et puis il y aura le débat pour échanger, hein, sur les deux autres dialectiques. Donc, il y a la dialectique de l'engagement dégagé et la dialectique de l'espérance. Alors, il faudrait pour plus de 10 minutes, mais bon, je vais quand même aller à l'essentiel. Donc, la deuxième dialectique, c'est l'engagement dégagé. Donc, ici encore, c'est une dialectique à 3 termes. L'engagement, le désengagement, l'engagement dégagé. L'engagement, c'est le fait de militer, de s'engager pour la planète, de faire des actions violentes, non violentes, pour on voit autour de nous et peut-être parmi nous des gens qui sont très investis. Le désengagement consiste à dire, mais de façon, tout est fichu, on peut rien faire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein. Voilà, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. On n'a plus possibilité d'avoir un impact sur la marche du monde. Et Jacques Ellul s'adresse surtout au premier, mais aussi au second. Je dirais aujourd'hui, il s'adresse aussi à ceux qui sont désengagés. Il parle de l'engagement dégagé ou du dégagement. De quoi s'agit-il ? Ben, il s'agit de s'engager. Il s'agit de faire quelque chose. Il ne s'agit pas de regarder notre monde courir à sa perte. Il s'agit d'être présent et d'intervenir, et lui-même dans sa vie, pas eu le temps de le dire, mais dans sa vie avec Bernard Charbonneau, ils ont eu des actions dont certaines ont été très très fructueuses, d'autres ont échoué. Mais en tout cas, il n'était pas un intellectuel en chambre, hein, il a été sur le terrain. Mais soyons engagés en étant au préalable dégagés, c'est-à-dire en n'étant pas des fanatiques de l'action, et surtout en ne croyant pas que le salut du monde repose sur nos frêles épaules. À nous, petits groupes, ne portons pas l'avenir sur nos épaules. Et pour ça, il s'agit de se laisser déconditionner, de se laisser dégager, de se laisser libérer, notamment dans nos manières de penser, de travailler, de consommer, de vivre. Et soyons donc au bénéfice d'une libération. Alors, là encore, Jacques Ellul étant chrétien, il voyait cette libération
dans l'œuvre du Christ, mais son grand ami Bernard Charbonneau, qui était agnostique post-chrétien, parlait aussi de libération sur un autre plan, donc ça peut être tout à fait entendu par des non-croyants. Il s'agit de sortir de cette emprise sur notre imaginaire, sur notre mentalité, sur nos façons de voir le monde, de cette emprise de la mentalité technicienne, ce que Serge Latouche, par exemple, l'économiste Serge Latouche, appelle la décolonisation de l'imaginaire. Donc, soyons au bénéfice de cette émancipation à l'égard de l'emprise, de cette efficacité à tout prix, y compris dans nos actions militantes. C'est-à-dire, soyons pleinement engagés, mais ne soyons pas arc-boutés sur les résultats de l'action. Alors, c'est difficile à entendre, parce que si on est engagé, on aimerait un peu d'efficacité. Mais précisément, Jacques Ellul dit que c'est très important d'être engagé avec la légèreté, avec l'équilibre, et ne pas, c'est pas un drame si on échoue ici, parce qu'on réussira ailleurs. Et en tant que chrétien, il considère que, nous sommes au bénéfice d'une libération opérée par le Christ à l'égard de soi-même. Ça, c'est très important dans la pensée de Jacques Ellul, c'est que la liberté, la libération, c'est pas seulement une liberté à l'égard d'un objet extérieur à soi. C'est-à-dire la liberté politique, la liberté de mœurs, la libération sexuelle à l'époque des années 60-70, c'est une liberté par rapport à une morale, par rapport à un pouvoir politique, donc par rapport à un objet extérieur à soi. Et Jacques Ellul disait, l'important c'est d'être dégagé, d'être libéré de soi-même, être libéré de ce que nous faisons porter comme conditionnement, comme emprise sur nous-mêmes. Et donc, prenons acte du fait que l'avenir de la planète ne repose pas sur nos épaules et engageons-nous pleinement en étant dégagés de cette obsession d'efficacité qui est une contamination de l'action militante par la mentalité technicienne. Enfin, l'espérance. L'espérance, c'est donc là aussi une dialectique à trois termes, espoir, désespoir, espérance. L'espoir, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine, par la technique notamment, hein, l'espoir, on va pouvoir trouver par l'innovation technique des solutions pour traverser les crises. Et donc on a une perspective optimiste, hein, on a confiance dans nos œuvres, notamment dans nos œuvres techniques, dans nos œuvres politiques aussi. Le désespoir, c'est l'absence totale de perspective, donc le désespoir, nous sommes dans une pièce toute sombre, et il n'y a aucune lueur, alors que l'espoir, nous sommes dans une pièce sombre, mais il y a une petite lucarne et la lumière filtre à travers cette lucarne. Eh bien, l'espérance, ce n'est ni l'espoir ni le désespoir. Ce n'est pas l'espoir, ce n'est même le contraire de l'espoir. Jacques Ellul nous dit, l'espérance ne surgit que quand il n'y a plus d'espoir. Donc, tant qu'il y a un espoir dans la technique, ben, il n'y a pas d'espérance. On continue à croire qu'on va y arriver par nos propres forces techniques. Mais ce n'est pas non plus le désespoir, même si l'espérance, eh bien, se nourrit du désespoir, en quelque sorte, puisque il faut qu'il n'y ait plus d'espoir pour qu'il y ait de l'espérance. Donc, il faut qu'il y ait le désespoir. Et vous voyez que la dialectique est assez complexe parce que c'est une dialectique dissymétrique. L'espérance, c'est le contraire de l'espoir. L'espérance n'est pas le désespoir, mais elle a besoin du désespoir. Donc, elle n'a pas le même rapport à l'espoir qu'au désespoir. Et donc, l'espérance, alors, encore une fois, Jacques Ellul est chrétien, mais on peut lire son livre sur l'espérance sans être chrétien. L'espérance, c'est la conviction que Dieu tiendra ses promesses. Parce que le Dieu biblique est un Dieu qui promet et qui tient ses promesses dans l'histoire biblique. On voit Dieu qui promet la terre promise, la venue du Messie et qui tient ses promesses. Donc c'est un Dieu fidèle, donc fiable, aux yeux du chrétien Jacques Ellul. Et donc, pour aujourd'hui, quelles sont les promesses de Dieu ? Pour notre avenir, ben c'est pas la fin de la guerre en Ukraine, c'est pas l'arrêt du dérèglement climatique, c'est pas la sortie de toutes les pandémies et la mise au point de tous les vaccins qui pourront nous prémunir contre toutes les crises sanitaires à venir. Tout ça, c'est pas les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont. Il y a une promesse dans la Bible pour aujourd'hui. C'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ».
la dernière parole de l'Évangile selon Matthieu, ou bien au chapitre 8, la fin du chapitre 8 de l'Épître de Paul aux Romains, « Jamais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, la promesse pour le chrétien Jacques Ellul, c'est la présence de Dieu à nos côtés en Jésus-Christ, c'est-à-dire, non pas qu'il va il va régler les problèmes avec sa baguette magique, mais il est avec nous et il nous porte en quelque sorte, et il nous promet d'être toujours là, y compris à travers les catastrophes qui viendront. Donc c'est pas un optimisme, c'est les catastrophes viendront, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes portés, nous sommes fortifiés, nous sommes affermis par cette présence de Dieu. Et c'est pas seulement l'espérance pour la fin des temps, hein, l'eschatologie comme on dit, c'est-à-dire la fin des temps, la mort, la résurrection, le royaume. C'est pas seulement ça, c'est l'espérance pour demain, après-demain, pour les jours qui viennent. C'est-à-dire, c'est une espérance pour le présent et le futur proche. Et c'est ça qui permet, en tout cas aux chrétiens, dit Jacques Ellul, de rester debout et de marcher. Et lorsque tous nos contemporains seront emportés par des mouvements de foule inouïs, d'éco-anxiété ou de répression des migrations qui vont déferler, eh bien, nous serons dans l'espérance, nous ne serons pas emportés par ces mêmes mouvements collectifs, et l'espérance va nous garder, va nous porter. Ce qui amène Jacques Ellul à dire qu'il est un pessimiste rempli d'espérance. Il n'est pas optimiste, il est plutôt pessimiste, en fait il est plutôt réaliste, mais un réalisme rempli d'espérance. Alors je disais qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour lire cela. Si vous lisez par exemple le dernier livre de Corinne Pelluchon, la philosophe Corinne Pelluchon, sur l'espérance, la traversée de l'impossible, eh bien c'est quasiment du Ellul sans les références bibliques, où il y a quelques références bibliques, mais disons que c'est un discours tout à fait et très accessible, tout à fait audible par tout un chacun. Donc il peut y avoir une espérance qui ne soit pas ancrée dans le Christ, même si pour Jacques Ellul c'était très important. Voilà, je termine là-dessus. Trois dialectiques, la dialectique de la non-puissance, la dialectique de l'engagement dégagé et la dialectique de l'espérance. Ça me semble être un message extrêmement actuel, extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui, et j'avais donc à cœur de vous le partager. Merci de votre attention et de votre patience, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Vous êtes tout à fait pardonné parce que vous n'allez pas venir souvent sur vos retours, hein, 1000 km aller, 1000 retours. C'est loin, Strasbourg. Donc, merci, cher Frédéric Rognon. Et maintenant, eh bien, cher public, à vous la parole.